Les textes liturgiques du samedi 31 décembre 2022 Première lecture C'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tout la connaissance, 1 Jean 2, 18-21 Lecture de la première lettre de Saint Jean Mes enfants, c'est la dernière oreille, comme vous l'avez appris un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres. Et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tout la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 95, 1, 2, a 11, 12a, 12b, 13b. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Évangile. Le verbe s'est fait cher. Jean 1, 1, 18. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu. Et le verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tout nous nous a eu par sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu.